bravo. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face, don't. Hey, salut. Hey, hey, salut. Ça va? Nous revoilà. Nous revoilà. Nous revoilà. On a fourgué tous les gosses. Voilà, aujourd'hui, ce matin, j'emmène Charlotte voir le bateau parce qu'elle l'a pas vu et comme elle en stresse en fait. Avec les enfants, et ben on l'emmène voir le bateau toute seule. Comme ça, peut-être que je vais réussir à l'engrainer pour plus tard pour acheter un bateau. Non, je crois pas. Hein? Non? Non, mais on va déjà les voir. Je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas le bateau. Quand tu étais petite, tu faisais plein de bateaux avec ton père. Ouais, tu aimais ouais, bien. Ouais, ouais. Et j'étais découvert... petite, j'étais inconsciente, j'étais insouciante. T'es pas inconscient quand tu fais du bateau, faut pas le dire. Non, je déconne. Non, elle est en flip depuis qu'elle a les enfants. Ouais. On a découvert qu'elle était en flip et que du coup, elle avait super peur qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, j'ai pas peur de l'eau, mais ouais, j'ai peur qu'il arrive quoi que ce soit. L'eau, ça pardonne pas. La peur n'évite pas le danger, ma petite Charlotte. Je sais. Même si tu me dis qu'il y a des lignes de vie, il y a des filets, il y a tout ce qu'il faut, je n'empêche que j'ai peur de ça. Il n'y aurait pas ça, je partirais demain en voilier, hein. Franchement. Mais là, ouais, l'eau, ouais, ça me fait flipper. Là. Je me dis, s'il tombe à l'eau, bah, c'est mort, quoi. On ne les revoit plus. Quoi. Bah non, mais il faut pas arrêter de penser à ça. Sinon, on ne fait rien. Ouais, bah là, ça me fait flipper. Bon, enfin bref, du coup, là, on va au port et puis on a laissé les petits. Tout ça et on a su que, bah, vous avez vu sur l'ancienne vidéo, hein, il y a eu un petit peu de pourri devant, il a commencé à tout retaper, on laisse sécher. Et là, ils ont dit, il faut qu'on regarde la coque. Il faut qu'on sorte le bateau pour regarder la coque. Donc là, dans cette vidéo, vous allez voir, on va sortir le bateau. Enfin, je vais vous filmer la sortie du bateau. Ouais, est-ce que toi, tu vas pas le sortir? Donc il va falloir démarrer le moteur pour essayer de l'emmener. Ils ont prévenu le port au cas où le moteur, parce qu'il est vieux aussi, si le moteur est calme, bah, qu'il puisse être ramené avec un petit bateau pour le tirer, pour le remorquer jusqu'à la grue. Voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va pouvoir découvrir si la coque elle est en bon état, si elle est pourrie, parce que là, s'il y a des surprises, ils ont quoi. Déjà découvert, ils ont dit là, faut qu'on arrête. Les frais entre guillemets, et il faut qu'on regarde la coque dans l'état. Voilà, faut vraiment voir si la résine a tenu, voir s'il n'y a pas de choc, voir tout ça. Même si le bateau il flotte, ça se trouve, il y a des petites imperfections sur la coque qu'il faudra régler. Donc on va le sortir. Voilà, et ben il va rester à sec 3-4 mois. Voilà, jusqu'à cet été, ça sera peut-être plus pratique. Non, aussi pour le bricoler non, aussi, non jusqu'à fin avril, jusqu'à temps qu'il refasse l'antifou. Voilà, c'est ça, ouais, parce que bah, mine de rien, il y a des petits billets qui vont partir quoi. Ça va être chouette à voir, ça ouais. La sortie du bateau, s'il se casse pas en deux. Et puis bah nous, on les rejoint tout à l'heure pour faire voir aux enfants aussi, parce qu'ils ont envie de voir les enfants. Et puis bah après, on se fait un petit resto pour clôturer notre petit week-end. Et on vous montrera tout ça aussi en images, je pense, ou des petites photos. Et puis bah ça sera quasiment la fin de notre semaine. Ouais, ça nous a fait du bien quand même. Ah ouais, semaine. Carrément. Ouais. C'était sympa de retrouver les copains, tout ça. Même les enfants, ils ont joué, ils ont vu du monde et tout. Ils ont eu du mal à faire l'école. Hein. Ça n'a pas été facile. Charlotte, elle a passé du temps sur son nouveau site internet. Comme ça, on vous tiendra au courant aussi plus tard. Dimanche, dans le live, on va en parler. On est en train de refaire tout un site. Ouais. Bah, Jérém n'était pas là de la journée, donc il a fallu que je gère, c'est vrai, hein, il a fallu que je gère l'école, mon entreprise, mon site internet. Ouais, les journées étaient bien remplies, on s'est couché très tard toute la semaine. Ouais. Entre 2h et 3h du matin toute la semaine. Le matin, 8h, ça piquait un peu, j'avoue. Mais bon, c'est pour ça que j'avais des cheveux dans tous les sens. Mais c'est pour la bonne cause, on s'emploie pas, on est content. Et puis, on vous en dira un peu plus dimanche soir dans le live pour la VAD, pour mon site internet, pour tout ça. Et puis, puis ça va déjà être pas mal. Ouais, il y a la VAD aussi qu'on est en train d'organiser. Ça aussi, j'ai organisé aussi la VAD, les mails, les trucs. On vous dit tout ça dans le live de dimanche soir, voilà. Donc soyez présents. Et là, on va faire la visite avec Charlotte. Et là, ouais, on y va tous les deux. Allez. En amoureux, sans stress, sans rien. Ciao. Hein? Démarrage moteur. On va démarrer le moteur, on est en train de régler ralenti. Ralenti, ouais, un peu bas au ralenti. Donc, Vas-y, je te laisse faire. On met le bip ou que? Bip. Il y a des trucs qui sautent là, c'est normal. Ouais, ah ok. C'est ça, c'est la bonne. Ouais, un tour là. Au moins ça va. Il a réussi à régler, il était à 400 tours, normalement. Il va descendre un petit peu là. Là, il a 1000 tours.
À combien 800 tours ouais. Ça arrive à 800 tours, tu tombes bien hein ouais. Franchement ouais, il tombe pas mal. Ouais, mais il est silencieux, ça va. Après, il y a la trappe qui est ouverte. Ouais, la trappe qui est ouverte, mais il a l'air de. Il n'y a pas de bruit de cache culbuteur ou quoi. Ah, non, il a bien tourné. Hein. Pas de bruit culbuteur de cache culbuteur. Il n'y a pas de bruit culbuteur, tu vois, t'entends bien les petits. Ouais, c'est vrai. En fait, ça reste ni plus ni moins qu'un moteur de voiture. Ah, pas c'est... tout à fait. Plus un moteur de d'engin. De tracteur. Ouais. De tracteur, d'accord. Mais mon père, par exemple, il avait un bateau avec un moteur Renault Coach. C'était un moteur de R8. R8 Gordini, c'est vraiment. D'accord. Moi, je sais pas pourquoi, si j'avais un bateau, je me peut-être un jour. Moteur de Xara HDI 90. Je trouve qu'il tourne super bien. Quoi 205. Ils en ont mis beaucoup en 205. En 205, ouais. De toute façon, on peut se faire chier avec les calculateurs et tout. Quoi. Ça le truc. Là, je te regarde, regarde-moi. Oh, comme t'es beau. Ouais, avec le soleil et tout. Ça va, ce sera coupé au montage. Non, quand ça nous touche, nous, on est tellement narcissiques qu'on ne coupe jamais ça au montage. Hein? Avec le reflet de ta barbichette, avec tes trois couleurs différentes. Ah ouais, avec ma barbichette tricolore, c'est bon là. Oh là là, comme t'es beau. Tu peux me dire que je suis beau, toi? Ah, moi qui étais beau. Ouais, dis-le. Ah, t'es magnifique. Ouais, ça marche toujours. Bon, allez, là, je suis désolé, faut qu'on vous laisse là. Un petit peu, encore un peu. Faut le monter un chouïa. Encore un tout petit chouï. T'es à combien là? 600. Ouais, moi je mettrais à 700-800. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je dis ça, je dis rien. En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ça, c'est Philippe qui dit ça. Eh bien, le bonjour. Salut. Deuxième prise qu'on a foiré. On se retrouve ce matin. Là, en fait, on va assister à la sortie de l'eau, puis on va aider pour le sortir, sangler, tout ça. Ouais. Et pour vérifier la coque. En fait, pourquoi tu veux le sortir pour vérifier la coque? Bah, pour vérifier que quand on va gratter, eh ben, la résine, elle vienne pas avec. Voilà. Mais on n'est pas confiant, mais on se dit ça va le faire. Non, il n'y a pas de raison. Ça va le faire, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Après, c'est rien en fait. C'est une fine couche de résine pour étanchéifier. Donc, au pire, on en remet. Ouais, au pire, ils en remettront. Mais voilà, c'est vraiment là par mesure de sécurité. Et puis, bah, c'est pour eux. Hein, c'est pour voir aussi. Ça fait toujours du bien de voir. Si c'est en bon état ou pas. Puis de voir au niveau tirant d'eau, au niveau, parce que bon, il a été mesuré un peu à l'arrache, donc ça nous permet d'être sûr aussi du tirant d'eau. De voir tout ça. Donc là, on va redémarrer le moteur ce matin, on va tout préparer parce qu'il va falloir l'emmener, comment ça s'appelle, là où il enlève le bateau. Au ber là-bas. On va falloir l'emmener au ber. Dans la darse. Dans la darse, voilà. Et vérifier la node d'hélice aussi, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il est dans l'eau. Ouais, la voilà. Elle peut être touchée, et l'hélice aussi. Donc vous avez été nombreux à nous envoyer pas mal de petits commentaires sur l'ancienne vidéo en disant ouais, c'est un chouette bateau, il y a du potentiel et tout. Et il y en avait un petit peu aussi qui disaient il est pourri, ceci, cela. Vous verrez dans quelques mois, même cet été, hein, vous verrez cet été la différence et ce qu'ils sont capables de faire avec Yo-Yo. Et vous allez voir, on vous montrera tout ça de toute façon. Et il y en a d'autres qui ont su dire ouais, il a un beau potentiel, il a une âme, mais c'est vrai que c'est un vieux bateau en bois, donc il a quelque chose, c'est un peu comme les vieilles voitures, hein, quand vous achetez une vieille voiture à restaurer, en général, elle n'est pas toute neuve. Hein. Donc voilà. Ah, vous avez mis une petite bâche pour protéger, c'est ça? Ouais, on a protégé. Bah, tu vois, on a bien fait parce que du coup, regarde, il a plu. Ouais, ça a plu dessus et tout là. Ok, voilà, bon bah mission du jour, c'est ça, on va le sortir. Et rendez-vous à quelle heure pour le sortir? 10h, 10h30. À 10h. 10h à 10h30 pour le sortir, donc là un petit démarrage du moteur. En plus on va être à la pleine mer. Ah ouais, le moteur tourne super bien. Il y avait des cylindres blocs qui étaient un peu desserrés hier, il les a resserrés, donc il a fait une vidange, il a réglé le ralenti. Là il tourne vraiment super bien le moteur, hein. Franchement c'est nickel. Hein. Ah, quand t'es monté sur le voilier, ils t'ont expliqué ce qu'on dit, on dit toujours une main pour le bateau. Hein. Ils t'ont pas expliqué quand t'es monté sur le valet? Non. En fait, on dit toujours que quand t'es en mer, une main pour toi, une main pour le bateau. T'as toujours une main sur un truc, c'est ça ? C'est pour ça que t'as des accroches de partout, en fait. Ouais. T'as toujours une main qui est accrochée au bateau et tu te sers de... Comme en escalade, toujours une main sur une prise. Tu lâches pas,
la main de la prise tant que tu n'en as pas repris une autre. C'est ça. C'est ça. T'as toujours une main pour le bateau. Sécurité en fait. Ouais. Allez, moi je descends. Est-ce qu'on va déjauger que le voilier ce matin ou pas? Oh non, on va pas déjauger, non. Pourquoi? Bah, déjà il faut charger un peu les batteries. C'est pas un moteur qui permet de faire déjauger? Non, non, non. C'est pas un moteur qui permet. Ah, t'as réparé la porte? T'as mis un petit truc comme ça? Ouais, j'ai mis un petit truc comme ça. Ouais, oh, bah c'est cool pour dépanner, flotte, ouais. Mais bah ouais. Ça a pris la flotte quand même par ça le Ça a pris coup, la flotte un peu, ouais. Ici, là, ça a dû passer dessous. Là. Ouais, ouais, ouais. Je mets un scotch. Ça, c'est autour, chiant. Hein. Je mets un scotch. Ouais, un petit scotch pour. Bon, bah c'est cool ça. Et vous allez voir que. Il y a une femme qui est passée par là. Oh, putain. Regardez. Enfin. J'ai envie de dire, on va encore dire, ouais Jérémy, qu'est-ce que t'es encore en train de dire? Les femmes, c'est pas fait que pour faire le ménage. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça non plus. Bah non. Non, bah, on peut plus rien dire en fait. Une femme est passée par là, bah parce que, oui, les femmes font souvent le ménage, non? Non, je veux pas réussir à m'en sortir. Ouais, non, là, je le laisse, je le laisserai ça ou pas? Je m'en fiche. Bah vous allez voir que Déborah est passée par là, hein, ça aurait pu très bien être Yo-Yo. Avec Fefe. Voilà, ah bah voilà, bah du coup. Ouais, mais comment tu veux que je m'en sorte? Non, c'est mort. Alors, Déborah et Fefe sont passées par là, ce sont des femmes, mais attention, c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ont fait le ménage. Ça aurait pu très bien être Yo-Yo et Christophe, mais comme c'est deux gros bordéliques, c'est les femmes du coup qui ont fait le ménage. Parce qu'elles sont moins bordéliques. C'est pas parce que vous êtes trois mecs à être passés par là que c'est des bordels. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Donc regardez, on arrive à découvrir le carré. Voilà. Hein? C'est ça. Ce que tu peux dire. Et non, mais d'un coup, ça fait beaucoup plus d'espace. Ce que tu peux dire quand même, c'est que les femmes, elles ont commencé à enlever le vernis. Et elles ont commencé à enlever le vernis aussi. Voilà. C'est ça. On voit la différence. Hein, ouais. Elles n'ont pas que fait le bébé. Ouais, ça fait propre. Hein. Ouais. Ça fait propre. Parce que quoi qu'on dise, on va se faire traiter en fait. On va nous traiter de combis, de macho. Regardez l'évier. C'est resté dans la voiture. Waouh, génial, un évier de femme. Un évier de femme. Trop bien. Ouais, mais ça va être modifié, ça. Je pense que on est en train d'y réfléchir. Ah, tu veux faire endroit, c'est ça? Ouais. En fait, c'est ça. On veut agrandir le. Tu vois, que ça fasse plus d'espace, en fait. D'accord, mais c'est seulement... bien, petite cuisine. Elle est en U. Seulement ce qu'on sait. Ouais, mais on perd de l'espace, en fait. Et ce qu'on sait pas, c'est que, enfin, on sait pas, on est quasi sûr même, que le plancher il va pas jusqu'en dessous. Ah oui, d'accord. Donc on verra, on avisera en fonction. Ok, ok, ça marche. Et comme c'est un homme, Yo-Yo, forcément il a essayé à quel en contact hier et plus de batterie. Donc on a rallumé pour que ça charge la batterie. Non, heureusement qu'on est venu en avance. Ce matin, moi j'attendais, je trépignais, 7h du matin. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils étaient encore tous en train de dormir, du coup j'ai été les réveiller ce matin. Et après ils sont réveillés. Hein, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ce matin il m'a dit, ouais, ils sont partis les gars. Ouais. Ah ouais, j'ai peur qu'ils s'étaient barrés encore. Je vais l'exploser, le mec là. Ouais, grave, le mec, je le vois, moi Yo-Yo, je le vois, ton homme. Moi je le vois ce matin, tu vas voir, hein. Je vais dire, salut, ça va bien? Bon, eh bien, le moteur démarre pas, y a plus de batterie. Donc les gars, ils sont venus, les gars du port, ils sont venus pour... les agents portuaires sont venus pour le remorquer jusque là-bas et au moins sécuriser, on sait jamais, comme ça fait longtemps qu'il a pas tourné, ils voulaient pas prendre de risque en fait, Yo-Yo et Déborah. Au moins là, on est avec les gars et tout va bien se passer. Je vais essayer de vous filmer tout ça.
Bonsoir. Bonjour. Putain, tu as mis au point. Putain, c'est... Petite anguille, elle était restée accrochée dans les huîtres, on va la remettre à l'eau. Hop. Et voilà, elle est partie. Repart parmi les tiens. Alors c'est... Il y a de la moule ou il n'y a pas de la moule? Ah, c'est de l'huître là, c'est pas de la moule, c'est de l'huître. C'est... Je sais pas, je me rends pas compte, il est... Il y en a beaucoup ou pas? Ah ouais, là il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. On voit bien qu'elles ont pris possession des lieux. Elles ont pris possession des lieux. Ah, on aurait pu les vendre à Noël. 8 tonnes. 8 tonnes. Avec les huîtres. On peut enlever les huîtres, il va gagner 1 tonne, je pense. 8 tonnes avec les huîtres. 8 tonnes avec des huîtres. Des belles huîtres. Ouais, mais on peut pas les manger, ça. Non, de toute façon, moi je mange pas d'huîtres. Ils sont dégueulasses. Hein. Ouais. Ouais, mais depuis le temps qu'elles y sont, tu parles. On va aller chercher. Ah, là t'as une moule. Il y a une moule. Là il y a une moule. Bon allez, on va chercher le karcher. Et là pourquoi il n'y en a pas du coup? Hein? Pourquoi il n'y en a pas là? Mais il y a peut-être plus d'anti-fouling, je sais pas. Une bonne question, pourquoi il n'y en a pas? Je sais pas. Bon allez, on va regarder les lisses comme on les blés avec le café. Là, tu vois, regarde. Ça c'est pas bon ça, tu vois. Mais ça c'est l'arrivée d'eau du moteur. Oh putain ouais, c'est clair. C'est fou. Il y a des huîtres sur l'hélice et tout. Ah ouais, l'hélice, la vache. On va la gratter, on va tout gratter. Ouais, pareil là-bas sur l'arrivée d'eau du moteur, ouais, aussi, il y en a. Allez, ça y est, je gratte de la moule, enfin. Depuis le temps que t'en rêvais. Hein? Depuis le temps que t'en rêvais. Ouais, c'est clair. T'as allez, il y a quelques gosses quand même. Hein. Ouais, j'allais dire, t'as fait 4 gosses et t'as surtout gratté de moule. Bah là, c'est plus de l'huître, en fait. Hein. Les gens, ils mangent ça, c'est tout guilant. Oh, j'en ai ouvert 2-3, on dirait des grosses crottes de nez. Regardez, ah, vous mangez pas ça quand même. Non. Ah, ça c'est pas bon, c'est dégueu. Là, les gens, ils nous ont ramené, les agents portuaires nous ont ramené des petites pelles là, ça va super bien. Mais faut y aller mollo, hein, parce qu'il y a des endroits où vous savez, il y a des trucs, hop, donc faut pas trop poster. On y va tranquillement. Regardez, il y a un petit crabe. Coucou, petit crabe. Viens. Viens, n'aie pas peur. Et tu ne pinces pas avec tes grosses pinces. Hein. Viens, viens. Je vais sortir de là. Petit crabe. Ah ouais, c'est vrai, ça marche de côté, ça. Viens là, petit crabe. Je vais les remettre dans l'eau.
Marin d'eau douce. On a fait un petit jeu, on s'est dit tiens combien il y a de kilos d'huîtres dans le godet du merlot. Moi j'ai dit 100 kilos mais je pense que ouais j'ai sous-estimé en fait. Bonne huître classe hein. Et toi tu dis combien? Ouais 200 hein, donc peut-être les 200 je pense hein. Vive, ouvre-en une pour voir. Tu peux, je pense. Celle que t'avais était bien la grosse. Ouais, elle était morte. Regardez la couleur. Oh, on sent qu'il y a du métier là. Ça coupe partout. On va pas te couper. On remarque un gars avec des gens. C'est la, je sais pas, c'est la couleur normale, tu vas se voir à l'écran. Je sais pas. C'est pas ça moi. Non non moi d'habitude quand j'ai dit elles sont pas vertes comme ça. Est-ce que c'est toute la pollution? Plus transparente que quelque chose. Je pense que ça doit choper toute la pollution. Ouais je pense. Ça doit agir contre la pollution. En fait, elle faisait du bien là-haut, mais pas du bien en bateau. Bon bah voilà, c'est quasi fini, il reste un petit coup de percher à passer. Et bah, il a vraiment retrouvé une belle gueule là. Franchement, la coque est en bon état. Hein, elle est en bon état, on peut dire que... Tu peux arrêter s'il te plaît de faire du bruit? Oh, ta gueule. Possible, hein? Ouais, elle est en bon état. Oh. Ouais, elle est en bon état? Ouais, c'est en bon état. Franchement, il a quel âge le bateau? 87, donc... 87? C'est 10 de... Ouais, il a 30 piges, quoi. 33 ans. 33 ans, quoi. 33 ans. Donc pour 33 ans, franchement, ça va, c'est pas mal. Ça te rassure? Ouais. Je suis pas trop rassuré, du coup. Là, ça te rassure. Non, mais là, c'est bon. Là. Voilà. Franchement, pas de soucis. Mis à part la petite pointe devant qui était un petit peu pourrie, dans l'ensemble, ça va. Ouais. C'est juste de la remise en état, enlever le vernis, remettre du vernis à l'intérieur et tout. C'est pas mal, hein, hein Déborah? Ouais. T'es content? Ouais. Là, moi, franchement, je suis surpris parce qu'il est en bon état. Il est en bon état. Par rapport au temps qu'il a passé dans l'eau, ouais. Ça pourrait être pire. Il y a un petit peu de ferraille qui s'est barré là sur les quilles en plomb, tout ça, mais sinon. Bon, en fait, je sais pas si c'est en plomb ou en fer. Non, on sait pas, on dirait qu'il y a une couche de fer sur les quilles en plomb. Fait sauter tout ça. Et à certains endroits, c'est parti. Oh là, voilà, je range l'appareil, il commence à pleuvoir. Bon, et bien voilà, la journée va bientôt se terminer. Yo-Yo, il va rester là pour passer tout le Karcher parce qu'il faut que je digère, donc je vais rentrer. J'ai mangé un panini, une tartine, des frites et j'ai gardé les frites pour les enfants. Je savais pas que c'était aussi gros en fait. Parce qu'on t'a arrêté, sinon tu aurais mangé les frites. Je savais pas que c'était aussi gros à manger. Moi j'ai vu une tartine, je pensais que c'était une petite tartine, non. Donc du coup, j'ai pris tartine plus panini. Mais j'ai tout mangé. Donc là, il faut que j'aille faire la sieste, le ventre en l'air. Hein? Ouais. Bon, quand est-ce qu'on se retrouve pour de nouvelles vidéos? Passer devant. Quand est-ce qu'il y aura du boulot, tu penses du gros de fée? Ah, oui. Au mois d'avril? Ouais, au mois d'avril, anti-fouling et tout. Ouais. Anti-fouling au mois d'avril, et ben avril, mai, et ben, vous venez pas à la vade, vous, bande de lâcheurs. Comment? Avec le bateau? Bah ouais, vous venez avec le bateau, vous débrouillez. On lui met des roulettes? Ouais, tu mets des roulettes. Sur des skates. 9 tonnes sur la route. On lui met un skate. Eh, on l'a pas encore fait un voilier à la vade. Vous serez les premiers. Ouais. Précurseurs. On met, tu sais, c'est des deux skaters. Oui. Vous y mettez de la mauvaise volonté, parce que c'est possible.
c'est possible. On ramène le ber. Le ber, c'est ça. Le gros machin, là. D'ici que tu reviens, tu penses que j'aurais fait la baie de mouillage, quand même. Ouais, et ben après la VAD, on repassera vous faire un petit coucou avant de partir sur les routes. Et vous verrez l'avancée des travaux. Et, et s'il est toujours, s'il tient toujours dans l'eau. Allez, on fait un gros bisou au bandit. On fait coucou. Bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à dimanche pour le live, 18h. Allez, bisous, bisous. Wow, marin d'eau douce, ne t'en va pas. On a des nouvelles du 4x4. Alors, explique-nous, mon petit yo-yo. Hein ? Explique-nous. Alors, le 4x4, c'est la fourchette de marche arrière qui avait fait un demi-tour. Ouais, normalement, ça fait clac-clac, et là, elle a fait... Et là, elle a sauté, elle a fait un demi-tour. Et qu'est-ce qu'il a fait pour pas qu'elle refasse demi-tour ? Alors, il a changé une clavette, ouais. Donc il a remise en place, ouais. Il a changé une clavette. Donc, le point de soudure au bout de l'arbre, il a déjà été fait. Ah, donc ça avait déjà été bricolé, ok, voilà, d'accord. Voilà, c'est une boîte qui a déjà été ouverte. Ok. Donc, la soudure a été faite. Il a remis la fourchette, il a changé une clavette parce qu'elle avait un peu de jeu. Ouais. Donc ça peut venir de là. Ouais. Et le fait que j'ai pas mon électrovan qui est arrivé aujourd'hui, je t'ai montré le message. Ouais. Le fait de l'arrêter en cinquième aussi. Ça a peut-être fait le fait de faire bouger un peu la fourchette. Ah là là là. Et le fait d'avoir fait le point de soudure, peut-être aussi que ça a fragilisé la clavette. Normal. Peut-être. La clavette. Bon, au bout du coup. Il a changé la clavette. Bon bah tout ça s'arrange bien. Voilà. Une facture de 600 balles et quelques. 630 euros. Mais garage top. Mais c'est cool, le garage, on va faire de la pub du coup. Ah ouais, on va faire de la pub. C'est quel garage? Pérez. Garage Pérez, et c'est où le village, la ville? C'est Saint-Vivien sur Mille. Sur la route pour aller au Verdon. Pour aller au Verdon. Et de, voilà. Sur la route de quoi? De Bordeaux-Verdon? Ouais, du Verdon sur Bordeaux. Ouais, sur la route de Bordeaux-Verdon, c'est un petit garage AD expert. Et franchement top. Pérez, c'est ça, ouais, garage Pérez. Ouais, franchement, ils ont joué le jeu, ils ont été rapides parce qu'il faut qu'ils repartent. Très rapide. Et ils ont, ouais, franchement, c'est cool. Il a bricolé, il a fait le truc. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Ça et va. Puis question tarif aussi. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est bien. C'est bien. Un bon garage, impeccable. Voilà, nickel. Allez, on vous laisse. Hein, ciao. Bye bye, ciao ciao. À bientôt, à dimanche pour le live. Bisous. Parce que c'est tellement mieux en vidéo de remercier les gens qui nous suivent. Eh ben, on voulait vous faire une petite vidéo ce matin. Merci à vous. On a passé les 40 000 abonnés, les 40 000 bandits hein, sur YouTube. On vous appelle comme ça des bandits parce qu'on fait tous partie de la même bande. Mais des gentils bandits, attention. Hein. Et voilà, vous avez été nombreux à nous rejoindre ces dernières semaines. Et ben, gros merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Et continuez comme ça. Ouais, continuez comme ça. Bye bye. Allez, bye. Salut mon pote. Oh. Ah non, quoi, ça. Je vais te mettre mon pied au cul si tu savais. Hein? Tête de belette. J'aimerais trop avoir des cheveux, mais j'en ai pas. Ça c'est le frère à Déborah, tu l'as jamais vu, on te le présente. Il va venir au club avec nous la prochaine fois. C'est un gros malade. Si tu savais ce qu'il sait faire avec ses... Oh oui mon chou, oui, oh là.